village qui a toujours été très créatif et de cultures différentes. Il y avait une vie extraordinaire ici. Il n'y avait pas une personne qui disait « je suis plus important, je suis mieux que toi ». Qui me portrait de moi-même. Une seule dent dans la bouche. Toujours dans l'actualité des régions, une histoire étonnante. Un investisseur, par ailleurs grand couturier, rachète des maisons dans le centre du village, mais personne n'y habite et le village semble bien être en train de mourir. J'ai fait deux bêtises dans ma vie. Deux bêtises, un 17 février. Je me suis mariée un 17 février. Et t'as vendu ? Et j'ai vendu, j'ai signé le compromis un 17 février. Et M. Cardin, lui, est très fort là-dessus, c'est que même si vous voulez pas lui vendre, on vous achète quand même. Hein. Bon, c'est des petites gens, je vois, j'en ai connu, il y a d'autres brillants, intelligents, mais ils n'ont pas cette envergure que, internationale que je possède, ils n'ont pas le même niveau. Et moi, ça me pose un problème, tout ça. Parce que je suis sacrément attaché à ce village. En fait, c'est cool que tu viennes, là, parce que faire ce genre de truc tout seul, c'est un peu... Your example is not just one example. There are hundreds of villages in various parts of the world where the same thing happened. Rich people coming and taking over everything. Moi, je suis pas engagé. Je suis engagé ou je suis pas engagé? Je suis pas engagé. Ok, d'accord. Je suis pas engagé. Ok. Je déconne. Hey, papa, qu'est-ce que tu fais? En réalité, ils sont pas grand-chose quand on les examine bien.